J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Pour ma part, non, mais pour la vôtre, ça peut être le cas. Donc voilà, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, elle concerne la Glossy Box de décembre. Alors, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, j'ai ouvert l'édition de Noël qui était super. J'avais beaucoup aimé et il y avait une offre, donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tenter de prendre la box. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a une seconde, donc comme ça je me suis dit on va faire les deux en même temps. C'était celle de novembre que j'ai eu à un prix de 5 euros pour tester, donc voilà. Et donc je me suis dit bah on va faire les deux parce que je vais pas faire une vidéo de novembre qui est déjà bien passée, puisqu'on va arriver plutôt vers janvier, que voilà, qu'on est plus proche de novembre. Et puis, ben, on va découvrir celle de décembre. Et elle est magnifique. Je vais vous montrer ça. Et ben, écoutez, en attendant d'unboxer ces jolies box et de savoir ce qu'elles contiennent, parce que vous savez que je suis comme une gosse avec les box de beauté, parce que voilà, c'est toujours des surprises en fait. Alors, ça peut être des bonnes comme des mauvaises, mais en tout cas, je suis toujours ravie. Et ben, en attendant de voir tout ça, ben, je vous invite à liker, à vous abonner, parce que vous savez que ça fait augmenter ma chaîne et je remarque qu'on augmente de petit à petit, de plus en plus, c'est trop chouette, de partager et d'activer la cloche de notification, pourquoi pas, pour les vidéos futures. Voilà, allez, on va pas trop tarder. Alors, celle-ci, c'est celle de novembre. Donc, carton simple. Alors, je l'ai reçu alors, avec la ficelle un peu, je vais vous montrer, défaite, mais c'est pas très grave. Donc, rose comme ça, pâle, elle est très très jolie. Mais alors, celle de décembre, alors, par rapport à la blessime qui est arrivée dans un carton, mais complètement éclataxe, celle-ci, elle est en fer et elle est trop belle, elle est lunaire, bleue comme ça, un peu avec presque, on aurait dit presque les signes du zodiaque, mais ouais, avec des petites étoiles et tout. Regardez, elle est trop jolie. Franchement, elle est magnifique. Alors là, pour Noël, c'est une box. Regardez, même à l'arrière, elle est trop belle. Moi, pour moi, ça me fait penser avec les signes du zodiaque, je vous assure, hein. Mais bon, c'est plutôt la lune, le soleil. Enfin, c'est plutôt un côté lunaire du coup. Donc voilà. Mais ça, c'est une box déjà de décembre. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle promet. Bon, allez, en attendant, on va quand même regarder celle de novembre. Donc voilà, elle se présente ainsi. Alors, comme je vous ai dit, voilà, j'ai le petit fil qui se fait la malle. Mais c'est pas grave. L'intérieur, toujours joli. Avec son petit fascicule. Et regardez, voilà. Avec le petit logo de Glossy Box sur le petit papier. Donc, super sympa. Allez, on va regarder ce qu'elle contient. On va pousser celle de Noël en attendant. Et on va regarder. Alors, si on commence à prendre. Donc là, nous avons une palette de fard à paupières ELF. Alors, je n'ai jamais testé les palettes de fard à paupières ELF. Mais par contre, les pinceaux, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette palette? Donc, c'est une palette d'ombre paupières qui a un coût de 4 euros. Ça va, c'est un prix très très correct. Voilà, j'allais dire. C'est un maquillage qui peut être 2 jours et ils disent également 2 soirées. Bon, alors ça, 2 soirées, j'ai un doute. Après, avec 4 fards, faire un mix des palettes. Donc, elle se présente ainsi. C'est bizarre, je n'ai pas sauté mes mains dedans pourtant. Alors, voilà. Alors, si on regarde celle-ci. Hop là, ça va, elles ont l'air quand même avoir. Après, qu'est-ce que ça donne sur les paupières? Ça, c'est une toute autre histoire. Voilà. Oups. Voilà ce que ça donne. Alors, hop. Et hop. Voilà. Voilà le swatch de cette petite palette à 4 euros. Pas très excessif, donc. Pourquoi pas tester? Elles ont l'air, les fards ont l'air lumineux. Donc, il y a un mat qui est juste là et le reste a l'air lumineux. Donc, à voir. Après, je ne sais pas si ça peut faire jour et nuit. Mais bon, en tout cas, sympa. Allez, prochain produit. Ah! Oh, il y a plein de ficelles noires. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons Petite Amie Skincare. Donc, ça, je pense que c'est un masque. Voilà.
Donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils en disent? Donc, petite amie, ce soin intense anti-âge. Oh, pile poil pour moi. Et donc, c'est d'une valeur de combien? Ah, quand même, hein, de 12 euros le masque. Hein. Décidément, des fois, on a des masques qui ne sont pas donnés. Donc, qu'est-ce qu'ils disent de sur là-dessus? Ce soin intensif et anti-âge est doté de nouvelles formules spécialement conçues pour régénérer des peaux matures. Ce masque pour le visage nourrit et fortifie la peau pour lui donner un aspect plus jeune. J'ai hâte de le tester, dis donc. Ça donne bien envie. Donc voilà, quand même 12 euros, hein. Allez, on passe au produit suivant. Et je m'embrouille des pinceaux là-dedans. Alors là, nous avons une petite fiole. Alors, ah, ça, je pense que c'est un sérum pour les cheveux. Qu'est-ce qu'on en a des sérums pour les cheveux dans les box? Et en plus, personnellement, pour moi, les sérums, j'aime moyen, enfin l'huile comme ça, j'ai l'impression que ça me rend tout grassouillet, mes cheveux, pas vous. Dites-moi en commentaire si vous aimez les sérums ou alors si vous avez une façon particulière de les appliquer qui peut que. Voilà, parce que moi, bah, quand je les applique, j'ai l'impression que ça fait tout gras. Donc voilà, donc c'est un sérum quand même. Assez sympa, hein, franchement. Donc, je ne connais pas. Hein, c'est de la marque Mira. Je ne connais, mais alors pas du tout cette marque. C'est une huile capillaire d'une valeur de 15 euros, enfin 14,95. Donc, qui simple mais efficace. Voilà, bah, c'est ce qu'il faut dans la vie, moi, je trouve. Les choses simples et efficaces, c'est les meilleures. On va droit au but et ça fait son job. Voilà. Donc, est un mélange d'huiles essentielles d'orange douce. Et d'huile de pépins de raisin qui nourrit les fibres des cheveux. Bah écoutez, on va pas faire tout le blabla, mais. Alors, hop. Qu'est-ce que ça sent? Bon. L'odeur est très très agréable, effectivement. Moi et les odeurs des produits. On retrouve bien. Alors, l'orange est très subtil, hein. Je vous avoue qu'au moins, ça sent pas. C'est très très subtil. Bon, après, ça reste de l'huile pour les cheveux. Voilà. Donc, écoutez, suivant. Sympa. Alors, je vais bien prendre, mais le problème, c'est que. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Oh, la marque Papé Paper. Oh, voilà. C'est quoi ça? Oh, yeah. Ça, c'est trop bien. Oh, on a le QR code comme ça, au moins. Regardez. On peut scanner. Nickel. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai salopé le truc, j'ai mes doigts encore plein de machin. Donc, c'est. Ah, oulala, oui, c'est un parfum. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Parce que les parfums. Donc, c'est un petit flacon comme ceci. Enfin, un petit flacon. Petit échantillon comme ceci. Voici. Alors. Oh, oh punaise. Ah, pour moi, il est fort. Qu'est-ce qu'ils en disent hein, de ce parfum? Oh, punaise. Oh, ça va l'appliquer là, mais. Oh, je vais cocoter toute la journée là. Alors, c'est d'une valeur de 4,95 €. Donc, oui, quelque chose d'unique. Oh, punaise, ça monte même, ça me prend. Elle est très très forte hein, comme odeur. C'est une fraîcheur boisée. Ah, boisée. J'aime pas trop boisée. Moi, je préfère floral, plus doux, plus discret aussi. Parce que là, ouais, bon, qui réchauffe les cœurs et les corps. Bon, bah écoutez, son mélange complexe de fragrances confère un parfum vivifiant. Et je confirme. Voilà. Et ben, bon, je pense pas qu'il va vraiment, vraiment me convenir. Dommage, j'aurais préféré un parfum plus doux, plus subtil. Parce que là, fin de journée, moi j'ai mal au crâne. Voilà, c'est trop, 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 trop fort. Allez, dernier produit de cette box. Alors là, qu'avons-nous? Donc, Saint-Lux. Oh oui, alors ça, c'est quoi? C'est. Trop bien, c'est un spray fixateur. Regardez. Regardez le packaging comme il est trop beau, étoilé. Ouh, il est chouette, il a. Toujours cette odeur de parfum. Ah, c'est trop. C'est super. C'est top, top,
trop bien. Alors. Ah, le spray est aérien, il est doux, mais bon, un petit peu le petit bémol pour moi, c'est qu'avec le parfum, ben, j'ai du mal à, voilà, à sentir vraiment la fragrance. Donc c'est quand même d'une valeur de 20,68 € et c'est un spray fixateur de Saint-Tuc, c'est une brume microfine. Ah ça, je confirme, elle est très microfine. C'est top. Bon, généralement, ça aide à intensifier le maquillage, à le donner un petit côté glowy, un petit côté qui reste. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Donc très légère, qui aide à fixer le maquillage, confère un fini brillant et aide également la peau à conserver son hydratation. Ça, c'est le produit topissime. Je crois que c'est mon produit chouchou de cette box. Voilà. Donc, contente. Bah, si on fait vite, vite un résumé de cette box sans revenir tout à l'heure là-dessus, ça, c'est mon produit chouchou. Alors, le parfum trop fort, le masque, bah, écoutez, pourquoi pas. La palette à tester et l'huile de cheveux, bon, ben. Voir, hein, parce que j'en ai mais je les utilise pas donc bon écoutez allez on va passer à cette box de décembre que je vous ai déjà montré tout à l'heure. On va l'ouvrir et on va découvrir ce qu'elle contient. Hop, donc elle s'appelle Moonlight Glow. J'adore le nom, ça va trop bien avec là. J'ai mon petit kiki. Voilà, donc voici avec les produits. Hop, le petit logo ici encore de Glossy Box dans les bleus comme ça. Oh, regardez le fond de la boîte. C'est trop beau. Franchement, là, je suis contente. Ça fait box de Noël. Maintenant, que nous ont-ils mis dedans? On va découvrir ça de suite. Un produit. Alors, la marque Elemis. On en voit beaucoup hein, ces derniers temps, la marque Elemis. Hein, n'est-ce pas? Dites-moi. Parce que je crois que je vous en ai présenté un bon petit paquet. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est une crème hydratante super glow, donc d'une valeur de 19 €. Voilà. Donc, c'est une crème qui donne un côté un peu rosé à la peau, qui l'hydrate, qui est super food. Qu'est-ce qu'ils en disent d'autre après? C'est une recette parfaite pour obtenir un éclat rosé, donc ce que je vous ai dit. Cette crème hydratante sans silicone prépare et hydrate la peau pour révéler un teint lisse et radieux. Cette formule multitâche et elle peut être utilisée également en base juste avant le fond de teint. Donc pourquoi pas? Par contre, c'est un contenant de 20 ml. Voilà, c'est un contenant de 20 ml. Bon, après, j'allais dire, Elemis, ça reste toujours une très très bonne marque. Mais à petite dose aussi, parce qu'on en voit pas mal quand même. Donc ensuite, qu'avons-nous? C'est petit ça. Qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, à mon avis, c'est pour. Alors, oh, c'est de la marque Ciaté. Ça, c'est top. Ça, c'est mon avis, c'est un glow pour les lèvres. Voilà. C'est pour hydrater les lèvres. Il est très très joli. Mais regardez, vous avez vu? Je sais pas si vous voyez. Regardez, il est rempli qu'à là, juste ici. J'avais déjà évoqué ce petit souci dans la box Blissim de novembre. Ouais, c'est ça. Comme quoi, les contenants, ils n'étaient pas remplis. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit quand même qu'il n'est pas rempli. Hein. Donc, bon, bref. Donc, c'est d'une valeur de 8,30 €. C'est un watermelon. C'est à l'odeur de pastèque. Donc, c'est pour les soins des lèvres, pour les hydrater, surtout, bah, comme je le répète, surtout en cette période où en ce moment il fait très très froid. Donc, voilà, elle est formulée avec un extrait de pastèque, avec un mélange unique d'huile d'avocat et de jojoba. Il sent très très bon, mais j'ai toujours encore, excusez-moi, hein, cette odeur de parfum qui est intense. Oh non, 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 c'est trop fort, je vous assure, je ne pourrais pas le mettre. Ouais, mais par contre, c'est très très doux. Hop, je m'en suis mis sur le bout du nez, forcément. Elle est épaisse, elle est un petit peu aqueuse comme ça. Idéale pour les lèvres. Franchement,
C'est bien. Donc, par contre, on a laissé du 5. Hein. Ça ne doit pas être beaucoup, beaucoup du plus. Donc, allez, on va vite regarder le produit suivant. Ah, si, on a encore un petit ici. Oh, alors ça, c'est la marque Théorie de Volcan. À mon avis, c'est un anti-cerne, anti-poche pour les yeux. C'est frais, c'est nickel. C'est une marque top. Si franchement, vous avez besoin d'un bon produit pour les yeux, pour les poches, il y en a plein, mais celui-ci, il est très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce produit? Donc, ça a une valeur de 9 euros. En plus, les prix sont généralement... voilà, très correct. Donc, c'est un fluide de contour des yeux, délicate, grâce à une texture lisse et fraîche. La crème réduit les poches et les irritations. Voilà, laissant le contour des yeux frais et hydraté. C'est ce que je viens de vous dire, en fait, en résumé. Voilà, donc ça, nickel aussi, très très bien. En plus, il suffit juste d'en mettre une toute petite noisette sur vos doigts et mettez-le au frigo. Les contours des yeux au frigo, en plus c'est un peu comme... Alors les roll-on, c'est sûr que ça, c'est pas mal, mais vous le mettez sous le contour des yeux et c'est très très bien. Qu'avons-nous d'autre? Je prends ce gros bazar là que je sens depuis tout à l'heure, que je me tarde à dire, je vais le prendre après. Oh, magnifique, regardez le packaging. Ça rappelle la box. Oh, il est trop, trop, trop beau. Franchement, waouh! Lash Splash Moonlight Glow. Mais c'est le nom de la box en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Allez, on ouvre. Je vous montre. Oh, il est trop beau. Regardez, regardez, regardez. Oh, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, nous avons la petite... C'est un fard de teint. Donc là, nous avons le petit miroir. C'est magnifique. Elle est... très très belle. Voilà ce que j'appelle une box de Noël. Franchement, elle est super. Donc, le splash, donc c'est une valeur quand même de 29,90 €. Donc, cette palette de 4 fards est éclatante pour... est aussi éclatant que le clair de lune. C'est vachement joliment dit. Moi, je ne l'ai pas bien exprimé, mais c'est très très joliment dit. Et de belles nuances pour illuminer l'ensemble du visage. Grâce à des nuances scintillantes qui peuvent être utilisées pour les paupières, les pommettes et toutes les autres parties du visage. En fait, bref, vous en faites ce que vous voulez. Ah oui, elles sont un petit peu pailletées quand même. Ah, celui-là, il est trop beau. Il s'appelle... it's English. Hein. Highlight. Enfin, waouh. Regardez, je vous prends celui-ci. Regardez. Regardez, regardez. Il réfléchit trop bien la lumière. Alors, je vais le mettre là. Oh, vous voyez comme il est? Oh, elle est trop belle, cette palette. Elle est magnifique. On va prendre, on va essayer de regarder ce petit Midnight Rose, là. Hop, je vais prendre sur mon petit doigt. Oh, très, 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 très joli. Regardez. Oh, trop, trop beau. Oh, voilà. Eh bien, écoutez... Le packaging, il est trop, trop beau. Franchement, ça, c'est une jolie... Est-ce qu'il reste un produit là-dedans? Ah oui! Il reste un petit truc, un petit machin comme ça. Donc ça, c'est... Ce petit machin, c'est Spotlight. Ah ben ça aussi, on connaît. Hein. Voilà. Hop. Et ça, c'est d'une valeur de 17 euros quand même. Jolie box. Et ça, c'est un highlighter sourcil. Donc, rehaussez vos sourcils avec l'highlighter pour une arcade sourcilière Deico. Il s'utilise sous la ligne des sourcils et le long de l'arcade pour illuminer votre regard. Voilà. Bon, bah, nickel, c'est pour rehausser les sourcils. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Il est là. Voilà, il se présente comme ceci. Ben, en tout cas, oui, c'est nickel. En plus, avec la palette. Ben, écoutez, on a de quoi se maquiller entre de tout à l'heure la petite palette de LF. Celle-ci, pour qu'on fasse le teint, les yeux, pour l'arcade sourcilière. Il ne manque plus que le gloss ou le rouge. Et puis, on est paré pour les fêtes. Et on a de quoi, en plus, enlever et les poches. Avoir un teint lumineux, sentir hyper fort.
envahir toute la pièce et assommer tout le monde, avoir des cheveux doux, avoir un glow nickel avec ça, pas des deux box, voilà, moi je peux composer presque un make-up parfait et un soin du visage et des cheveux pour les fêtes. Et ben voilà, et ben là, cette box est terminée. Franchement, elle est géniale. Franchement, ils l'ont trop travaillée. Glossy Box, allez-y. Je vous le redis, je me suis mis un peu tard à vous le dire. Et je viens d'y penser que maintenant, dans ma barre d'infos, j'ai un code de parrainage qui vous donne, je crois, 5 euros. Foncez, testez. Il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez vous arrêter à la première box. Si elle ne vous plaît pas, vous vous arrêtez. Je ne vais pas forcément peut-être les prendre tous les mois. En plus, je sais qu'elles augmentent à 15,90 parce qu'ils veulent mettre plus de produits plus importants. Ils changent leur formule à partir de janvier. Donc, pourquoi pas? Franchement, entre l'édition spéciale, je n'ai pas pris le calendrier de l'avant, mais il était formidable. Les box, on ne peut pas dire le contraire. Elles sont franchement topissimes. Je suis un peu plus déçue, moi, perso, de la Bissime dernièrement, là, des 2 derniers mois. Je n'ai pas fait waouh. La dernière où j'ai fait waouh, je crois que c'était en octobre. J'ai hâte de voir celle de janvier. On va la découvrir ensemble. Et voilà. Mais franchement, là, dites-moi pas que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Elles sont super, quoi. Et puis, voilà, ils ont fait quelque chose pour Noël. En plus, cette boîte, on peut s'en servir. Alors, je n'allais pas dire pour mettre votre sucre, hein, forcément. Mais bon, voilà, quoi. Elle est trop, trop belle. Et les produits, franchement, top. Alors, utilisez mon code. Allez-y. C'est gagnant-gagnant. Et en plus, testez. Testez au moins une box. Franchement, c'est pas que je vous force à acheter. C'est pas comme, voilà, quand je vous dis quelque chose, c'est que je le ressens. Je me dis, ouais, c'est que ça vaut le coup. Moi-même, voilà, je me dis, ça vaut le coup. Et je suis trop contente de la avoir essayée. Eh bien, écoutez, nous, on va se quitter là. Voilà, on a fait les 2 petites box. Et je suis trop contente de les avoir fait avec vous. En attendant, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous redis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.